son route qui débouche sur 4 départements. Pour qui raison n'est pas de aller débloquer? Parce que c'est dans la tête qui a été ensemble de malheureux, les gens qui ont sorti dans le sud pour venir vendre quoi beau sale, les paysans qui ont passé, ils n'ont pas important pour eux parce qu'ils ont même été passés par l'air, ils ont des âmes, ils ont des machines vite pas filmées, ils ont pas victimes, qui fait au pas oser aller mettre son pilote à le débloquer, puis ils ont fait bandit ça en entraînant tout. Et maintenant, ils ont passé en l'air, ils ont pas passé en bas, ils ont privé ces nantais à la journée aujourd'hui. Là, elle passe juste en l'air parce qu'elle connaît la machine vite pas filmée. Peut-être qu'il y a blindé, il y a des gaz, mais ça qui permet, ça qui arrive. Il n'y a pas prendre le boulet tout. Là, il y a des petits malheurs qui ne possèdent pas un, il y a des boulets matissants, il y a des boulets mon bel. Qui ça l'état te dit? Ne quitte là pour faire respecter la viande dans le pays, qui ça te dit? Comme malheureux de ta boule et malheureux de ta victime, pas mon qui vient pouvoir ta victime. Personne va dire rien, mais je ne dis pas, après vous équipe sénat, vous commencez à venir à doter. Vous équipe, vous commencez à venir à doter. Non! Nous sommes là. Pour les gens qui font mal aux victimes, pour nous faire ça qui fait la part, encore, nous ne pouvons pas dire rien. Parce que les gens qui ne sont pas les gens pour nous dans la tête, c'est les gens qui ont gros nom, c'est les gens qui ont grand famille, les gens qui ont comme pour nous. Nous ne pouvons pas attraper des rives là. Je ne dis pas des rives là, arriver sur nous. Et les gens qui ont grandi, personne ne peut pas dire rien. Et nous, tous qui ont mourir, net, malheur à mourir, bourgeois à mourir, qui ont pouvoir mourir, et à bouler nous. Parce que nous-mêmes qui sommes responsables, la vie de nous sur la terre ne pas respecter. Qui donc la vie ne nous pas respecter tout. Donc, et par rapport avec un message comme si vous êtes capable d'essayer de porter, par rapport avec Resnek qui a une possibilité pour diriger le pays et qui toujours dans la bêtise à faire. Donc, qui message vous pensez que vous essayez de porter pour vous envoyer la sécurité à lui-même, vous frapper votre caillou? Bon, moi même message que je ne peux pas porter un message à Resnek qui est dans l'état où déjà. Je ne peux porter un message à Moun qui a une capacité et qui des intellectuels dans le pays qui a vivent dans l'ombre qui ne peuvent pas prendre responsabilité. Je ne veux pas dire sécurité ça. Niveau de pauvreté ça qui est dans le pays, j'ai Haïti vient tourner au monde infernal là. C'est parce que les gens qui ont la capacité pour prendre responsabilité dans le pays, peuvent prendre responsabilité qui dans le pays arrivé là. Je ne veux pas dire que les gens qui connaissent Haïti le pays, il faut que ce soit tête dans tout. Parce que pour qui raison? Nous avons quelqu'un qui ne peut pas ensemble des engagements dans le pays pour retirer le pays à côté de lui. Parce qu'il peut mourir, mais je ne veux pas dire une analyse. Ou pas vous parler, ça va empêcher au kidnapping. Ou peut prendre la rue, ça va empêcher. Ou prendre balle. Je ne veux pas dire la majorité de gens qui kidnappé. 600 personnes qui kidnappé. 90 c'est pas les gens qui connaissent. Les gens qui sont impliqués dans la bataille pays. C'est les gens qui pensent qu'ils ont pris des barres sous côté. Politique pas regarder, on pas regarder aux victimes. Je ne veux pas dire. Intellectuels dans le pays, les gens qui ont des capacités, il faut qu'ils prennent responsabilité en main. Il faut qu'ils suspendent toute équipe sans arrêt, pour équipe dealer drogue, pour équipe gang qui prennent responsabilité au pays en main. Avancer sur ce qui a passé dans le pays. Alors pour ça qui arrive, ancien sénateur sud là, qui arrive là pour là, je ne veux dire, bon bah on a parlé de karma. Bien qu'a dit c'est lui-même qui a privé. Et c'est pas seul sénateur ça qui ouais en fonction de ce qui a passé dans le pays qui va le victime. On imagine nous je dis, nous sommes des gens qui étaient là pour faire pays qui sécurité. Nous ensemble de monde qui étaient là pour faire la loi respectant dans le pays et pour venir avec nous ensemble de lois pour permettre le pays à avancer. Nous étions obligés de battre ça pour qui raison parce que nous avons des petits bagages en bas. Tap, que nous tapons. Je veux dire, il y a ça qui passe. Tout citoyen est supposé énervé parce que son sénateur de la République qui est victime, Jean-Bandi prend le boulet. Nous ne sommes pas supposés d'accord ça. Mais je veux dire, nous regardons dans l'état du pays arrivé. Et sécurité, ça côté en pile petit malheureux, qui moun te pour la victime. Alors, moun qui te là pour te faire respecter un ensemble de lois et faire justice blayant dans le pays, pas de chambre prendre responsabilité. Yo. Dans la tête, yo, yo te pense à force que yo gen l'argent, yo gen pouvoir, bandit pas privé sous yo, depuis yo gen nek pa ou nan gang, yo investi, an yon pas arrivé sous yo. Et bien, je vous dis, c'était bien compté, mal calculé, tout moun a prouvé que j'en tout nek yo victime. Je vous dis, ça qui arrive, sénateur. La boule 12 là, c'est une incapacité yo pour te permettre la sécurité blayant dans le pays, permettre ça arriver. Pour bien dire, Jean-Jovenel Moïse était victime, la caille, étranger entre eux, vin, tuer le consentant pour
donc nous sans famille, c'est un camalier et c'est un résultat de Maître Dorval tout qui était mouru et puis en tant que président de la République qui doit là qui comme garant bonne marche institution pas jamais permettre justice blahi qui rend lui même était arrivé victime et c'est même délégant ça yo même RS ça qui permet de aujourd'hui à nous perdre sénateur sud là dans état que Jean perdu a qui donc bon bagaille la vie à tout sauf aujourd'hui et loi pour demain. Je ne sais pas qui ça nous a réglé. Mais je ne sais pas si c'est karma qui tourne contre nous. Et nous, même en tant que jeunes qui étaient victimes, imaginez les gagnants étaient victimes. Est-ce que justice est bail? Est-ce que ensemble des sénateurs qui étaient là pour te faire respecter la loi et qui pour te faire justice blayant dans le pays? Qui ça qui te fait? Les Néhémie étaient victimes, qui ça qui te fait? Et mais je ne sais pas si c'est homme la loi même qui commence à attaquer par propre sécurité ou te mettre dans le pays. Donc, et la façon où vous parlez ensemble avec nous là, vous voulez faire nous connaître tout. Donc, ces gens de fonctionnement négatif qu'on a baillé, là où sous pouvoir, qui n'ont pas jamais la population qui a souffert, donc vous voulez faire connaître que c'est ça où commencez à vivre jeune là ou même. Et oui, c'est lié à jeune en retour. C'est même gens, c'est un petit monde, je prends un exemple ça, c'est un petit monde qui était dans la rue, pour les gens qui ont besoin dans l'élection, pour montrer les gens, il a fait bien, il n'y a pas dans la rue, il y a un petit monde qui est dans la rue à 1000 gouttes. Il a acheté manger ba yo tandis que ça qui principal là on va jambe faire tant prendre ti moun nan retirer dans l'arrière avoir l'école à force que nèg yo té qu'on a fait bèyo dans insécurité les qui problème insécurité a yo fait bèyo là-dedans par rapport yo gen nèg pa yo y a couvri et mais jounen jodi a ça que yo té qu'on a fait à tourner contre yo c'est l'argent que yo té gagné c'est pouvoir que yo té gagné qui pense jounen jodi a même les insécurité à bla, les gens qui étaient plus mal qu'on a victime, dans la tête qui ont pensé ça va la priver d'une jeune, ça a pensé, ont pensé, mais pas de réalité. Et c'est ça qui rend une aujourd'hui, yo même yo victime par propre insécurité ont été mettés. Nous tous capables. On imagine où? En 2012, le département du Sud était dévolu sous Yvon Bucette comme sénateur 6 ans. Pour le département du Sud. Mm-hmm. Et si j'étais dévolu sous Bucerette, c'est parce que j'étais fait Bucerette confiance, c'est parce que Bucerette était représenté en pile pour eux dans le département Sud. Là. Moi, je connais que l'assassinat, ça, et plus particulièrement dans la façon que le fait, là, déconstombrer ça me décarrer les mondes Sud, et surtout lorsque nous connaissons nous-mêmes, ensemble sénateurs, qui étaient ensemble avec sénateur Bucerette de 2006 à 2012, connaît qualité bonhomme ça, qualité collègue là. On est qui remet monde, on est qui remet pays, là. On sagesse au père, on côté humaniste à nul autre pareil, on est qui la jambe en compte avec monde. Sincèrement, ça choquait nous. Mais je ne crois pas que nous n'y avons déploré. Nous ne voulons pas condamner encore. Parce que c'est chaque matin, chaque soir, autant de on a mouru, on a kidnappé. C'est tout matin, toute la nuit, autant de plein dans la rue pour galon gaz. Ça a monté 17 hôtels, $150. Chauffeur taxi qui a pris l'amour, chauffeur moto qui a pris l'amour, qui machin qui n'a pas acheté galon d'huile encore. Je ne veux dire, on a dit que l'assassinat du sénateur Bucerette là, on a dit que c'est limite l'en franchi. D'ailleurs, un, c'est un ancien sénateur, un sénateur. Deux, lui sorti dans la région sud, qui depuis déjà un an et quelques mois bloqué par, à partir de Martissan, avec tout problème et sécurité que nous connaissons, zone qui est totalement défigurée. Et c'est pas de plein, tout sud, toute grandance, toute nip, tout sud-est, tout le monde à plein en général. Et je ne veux dire, dans j'ai fort et remet la caille, dans j'ai fort que la feuille, dans remet la caille,
Et bien, toujours après, on se rend que le pensée qui est plus sécure pour le capable de ramener dans la région de la Caïde, au Caïde. Surtout que nous, à quelques jours de la fête de Notre-Dame, qui se sénateur, continuez à dire condoléances. Nous toutes, nous disons condoléances. Que ces sénateurs 2006-2012, que ces sénateurs Kounye, nous toutes choqués, Haïti choqué. En pile collègue parlementaire, que matin, nous allons voir à notre ça à travers les différents parlements qui gagnent sur la terre et que Haïti, du même parlement haïtien, les lié. Son choc, la pied pour eux toutes. Et surtout, Jean, ça me semble plaisir pour un jour, je dis, avec la vie, nous tendez, que l'Église, nous tendez, que tout le monde. Nous continuer nous-mêmes, je ne vous dis à même, dans incapacité de fonctionnement, incapacité pour nous convoquer, incapacité pour interpeller, incapacité même pour discuter, échanger avec ceux-là qui sont appelés à bas nos sécurités. Je ne vous dis à tant pour ensemble de camarades, d'Abdil, son groupe hier, nous allons finir de condoléances, nous allons dire nous condamner, nous allons dire nous déplorer. Et puis ça s'arrête là. Ouais, puis une autorité qui a dit aux condamnés, aux déplorés, et que nous prenons engagement pour nous traquer, bandits, pour nous tuer, pour nous ceci, pour nous cela, pour nous ramener l'ordre, la paix dans la cité. Et puis ça s'arrête là. Et demain, encore des gens qui ont mouru, encore des morts, encore des victimes, encore des cris, des pleurs, encore des grincements de dents. Et c'est comme si Haïti devient le, et Port-au-Prince particulièrement, notre angle fourré nous en là, je ne veux dire entouré de gangs, et puis on est entouré de gangs et on se retrouve bloqué à travers ce triangle, le triangle de la mort. Certains Joseph Lambert, on se rappelle là, à chaque fois, un citoyen tombé, surtout c'est là où qui gagne, c'est des personnages publics, autant de cris comme ça, pour plaindre. Mais il y a des gens qui ont dit qui le ça a pas suspendu, qui le ça a fini. Et ou même adressé à ou même qui, quand même, c'est fait partie des 10 élus qui étaient dans le pays, qui en fonction. Pas gagné de café, nous-mêmes. Nous étions tous à assister, même gens avec tous les citoyens. Aujourd'hui, il faut reconnaître que le Sénat est réduit à 10. Depuis déjà 2 ans, 1 an, Sénat a invité, Sénat a interpellé, Sénat a attiré l'attention, même réduit à 10. Et donc on est réduit à 10, ça veut dire, à du dysfonctionnel. Ou pas une capacité ni pour inviter. L'ont invité ou pas occupé. Nous constatons et nous vivons ensemble avec le Sénat qui font plus d'invitations, ben, le CSPN, globalement, le chef du CSPN, pour au moins être informé de ce qu'il y a comme plan de sécurité, parce qu'un plan de sécurité ne peut pas être rendu public. Ça que fait. Vous avez rien à faire. On nous crache dessus. On fait comme si on n'existait pas. Et la réalité est là. Et lorsque les institutions ont failli, c'est le souverain qui agit ou qui doit agir. Aujourd'hui, le souverain. Point d'interrogation. C'est comme si on est anesthésié, si je peux dire ça ainsi. On ne peut pas, à longueur de journée, rester les bras croisés et constater demain. C'est tout qui est. Après-demain, c'est tout qui est. C'est comme si on vit dans une république de lâches. Une république qui encaisse sans mot dire, ni mot dire. Sénateur Lambert, ça n'a pas vivre là, c'est. Il y a un monde qui t'a dit que c'est toute en construction, donc c'est pas Jodia que nous en est sorti et puis nous tombé là, donc on équipe bon, des décisions qui étaient prises, gagnent de responsabilités qui pas prend. Et si nous-mêmes comme sénateurs de la République et
plusieurs mandats ou même comme sénateur, comme député. Est-ce que ou pas quoi que gagner un travail que ou même avec tout l'autre dirigeant et autres fait que ou pas fait qui mène nous là aujourd'hui à. Écoutez. Nous votons loi sur la police. Nous votons ensemble de lois sur question sécurité. Nous mettons budget que vous demandez pour la police. Et vous vous souvenez, le 1er janvier 2008, nous avons déjà prévu ça qui va se passer. J'étais encore président à l'époque, président de l'Assemblée nationale. Oh, Gonaïve! Et j'ai eu non seulement à attirer attention sur question insécurité, vague insécurité qui était bien à l'époque et monter ouais que c'est vraiment c'est son signe dans mauvaise direction. Donc à songer, monde qui a une bonne mémoire, à bandit et bruit, nous songer, c'est moi qui te dis, les kidnappeurs doivent être traqués, les assassins doivent être traqués comme des bêtes sauvages jusqu'à leur dernier retranchement. 1er janvier 2008, Joseph Lambert, au Gonaïve. Vous savez, c'est 2008-2022. Ouais. Le Sénat a l'esprit tranquille, le sénateur Lambert tout particulièrement, a aujourd'hui l'esprit tranquille. Mais esprit tranquille par rapport à l'alerte que nous avons. Mais je ne peux pas avoir l'esprit tranquille en tant que citoyen. Non, mais est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est capable de gagner, sénateur Lambert, est-ce qu'on est capable de gagner l'esprit tranquille, le, un pile monde croit que, un paquet de bail qui mène là, et parmi eux, hommes politiques, oui, qui sont même souvent armés de jeunes, de monde, de réseaux, dans la circonscription, pour capable gagner ou bien faire élection pour eux. Oui, et un pile dans les jeunes, ça a eu témoigné. Et composé de police parlementaire tout en bas. Oui. Ça n'y a pas de quel l'autre qui te régit là-dedans. Donc, c'est un pile dans les jeunes qui témoigné. C'est des hommes politiques qui mettent des âmes dans les mains. Et après, ils ont même pris distance. Ils ont campé en mafia, en gang. Ouais. Donc, la politique, surtout hommes politiques, nous, ils ne pas innocents dans ce qu'on vit là. Et hommes politiques, nous jouons de tous côtés, parmi eux, dans le Sénat, dans la Chambre des députés. Pour répondre à madame là, qui dit, nous voyons son note. Ah, vrai. Ils sont là. Les notes sont publiques. Et, actuellement, on clique sur le Sénat. Après, combien de notes font ça qui fait? Combien de réactions que nous gagnons par rapport à ça? Mais on ne peut que réagir, on ne peut que faire des notes. Et la réalité, comme tu as dit, qu'il s'agisse de bandits à costume, de bandits à cravate, qu'ils soient parlementaires ou autres, etc., il faut pouvoir les dénoncer. Et la police, comme la justice, doit pouvoir les traquer, comme n'importe qui. Et moi, j'ai eu toujours ce courage de les dénoncer. Et il y a encore 3 ans, vous vous souvenez? J'avais dénoncé ce qui se passait du côté de Village de Dieu avec Arnel. La présence aux côtés d'Arnel de parlementaires ou d'anciens parlementaires. J'ai eu, moi, ce courage de le faire. Et je vais continuer à avoir ce courage de le faire. Parce qu'un pays, pas capable de tolérer envers ceux-là que je considère comme des énergumènes, comme des gens sans foi ni loi, et qui tiennent ce que je peux appeler le grand peuple, le groupe, en otage, avec complicité, quel que soit mon nom, que ce soit avec complicité mon gouvernement, que ce soit avec complicité dirigeant, que ce soit avec complicité mon secteur privé, que ce soit avec complicité qui est, n'importe. Non. Est-ce qu'on admet ça que effectivement gagnent deux sénateurs, des hommes politiques qui traînaient nous dans sa année là? Mais si j'avais eu le courage de les dénoncer, si j'avais eu aussi le courage de les pointer du doigt, c'est parce que moi-même personnellement, je ne voulais pas les tolérer. Et le président du Sénat à l'époque, qui choisit pour ne pas tolérer. Pour te dénoncer.
Mais c'est pas le Sénat qui va l'arrêter, c'est pas le Sénat qui va le traquer. Et le Sénat aussi était prêt, sous ma présidence, à lever l'immunité et mettre à la disposition de la justice. Nos dirigeants ne doivent pas se convertir en lâches, parce que nous avons pour devoir et pour responsabiliser et pour responsabilité de protéger la population en qui lui-même bat nos responsabilités pour nous diriger à quelque niveau qu'on y est. C'est ça, l'homme d'État. L'homme d'État. Mm-hmm. C'est celui qui prend moun, qui a utilisé moun avec ZAM pour faire élection pour yo. L'homme n'a fait élection pour yo, yo gagné, yo perdu. Yo dit pas d'accord, yo perdu, yo prend ZAM pour aller défendre tête yo. Tout ça, yo, c'est des batailles pour nous, comme des cadres. C'est pour criminer. Et moi-même, l'homme, j'ai courage, même dans l'élection, moi-même. J'ai perdu l'élection. Je dis bravo à ceux-là qui ont même gagné l'élection, comme je l'avais fait en 2015. J'ai pu remporter les élections avec Ricard Pierre. Je dis eux-mêmes qui gagnent. C'est eux qui ont le résultat. Je dis bravo, messieurs, compliments. Et j'accepte ma défaite. Et un an après, j'ai été encore aux élections. Et le peuple a compris, la population du Sud-Est a compris que j'ai commis une erreur. Et qu'ils sont revenus vers moi. Ils ont voté encore et j'ai gagné les élections au premier tour. Ce qui fait de moi aujourd'hui président du Sénat jusqu'au deuxième lundi de janvier 2023. Ancien Sénat. Écoutez, il faut faire des choix démocratiques. Parce que nous sommes dans un pays démocratique. Et comme tout pays démocratique, nous devons obéir aux règles, aux principes. C'est tout. Et si maintenant, il y a des groupes qui sont considérés comme des hors-la-loi, chapeautés par X, Y, Z, à cravate ou à costume, il faut aussi les traquer comme de vulgaires vagabonds, comme de vulgaires fauteurs de troubles, comme de vulgaires bandits et criminels. Et la police, la justice doivent aussi être en mesure de pouvoir jouer leur rôle. Mais maintenant, quand le palais de justice est envahi et que la primature qui est en bas est abandonnée par les fonctionnaires de l'État, il ne reste que le Parlement, le Sénat de la République comme institution. Et que vous comprenez que la justice, je mettais au déjeu, et après l'amour, et puis retourner. Primature, je kidnappé mon ander au point où Kounia a abandonné bicentenaire là. C'est seul Sénat qui était. Alors que qui est-ce qui gagne pour bail Sénat, environnement, Sénat, sécurité? Eh bien, c'est la police. La police, le plan de sécurité, le plan de machin, etc., est quoi? Est piloté, dicté par le CSPN. Le CSPN, c'est qui est son chef? Le premier ministre. Et écoutez, voilà, mais c'est la situation que nous vivons. C'est la réalité. Alors voilà, moi-même, je ne vais pas gagner encore pour me dire. Parce que je ne veux plus continuer à pleurer. L'assassinat ou les morts de quelques jeunes. Mais non, on ne peut pas gagner pour dire, mais on ne peut pas poser en action tout. Mais cependant, pour me poser en action, il faut être en mesure de le faire. Aujourd'hui, je ne veux dire, le Sénat ne peut rien faire contre. Oui, mais qui ça n'a pas fait? Le Sénat? Et pour qui ça nous a fait? Oui, mais pour qui ça nous était là, toujours? Non, et pas ça vous dit, c'est même pas là me poser tête ou tout. Écoute, et c'est justement après ça que m'a fait, quand les institutions ont failli, le souverain se doit d'agir. C'est ce qu'on appelle une poussée historique, comme dit souvent Metanibal Kofi. Et sénateur Joseph Lambert, pas jamais impliqué dans la cause des âmes, surtout les élections, monsieur Lambert. Mandez tout le monde. Mm-hmm. Le monde, écoutez, son livre ouvert, tout le monde connaît tout le monde. Mais nous songeons que tu as gagné Shelson Sanon qui t'a cité non. Et comme quoi ou t'es proche li et li t'es ou t'es gain ou t'es gain accusation sous dos comme monde qui était dans kidnapping avec trafic drogue même moi défagé
Parce que comme journaliste, même en question comme ça, vous n'avez pas même besoin de venir avec lui. Parce que vous avez entendu Shelson Sanon à la radio. Vous avez entendu ses déclarations. Vous avez entendu Shelson Sanon qui a fait son mea culpa et qui disait qu'il avait été utilisé par les organismes de droits humains pour essayer de salir mon image, celle de Dozeni et consorts. Je ne vais pas parler pour moi, je ne vais pas parler pour Edozé, je ne vais pas parler pour X Ruger. Je parle de moi-même. Tant que Edo te gagne, il te dit, il a parlé pour Tetri, il ne va pas parler de Joseph Lambert. Mais écoutez, si vous-même comme journaliste, et que même lumière, ça ne va pas capoter pour moi. Non, mais c'est ça qui fait le pose aux questions, hein, peut-être pour retourner sur lui, parce que ça quand même, pas oublier que il était dans l'esprit. C'est peut-être une bonne occasion. Non, c'est peut-être une bonne occasion pour retourner sur lui. Parce que moi-même, effectivement, m'étendais des déclarations de Shelson Sanon qui est toujours dans la prison, qui dit que il était utilisé, etc. Mais il était dans l'esprit, Mounio. C'est peut-être une occasion pour préciser sur lui, sénateur Lambert. Merci beaucoup. C'est une bonne opportunité que l'offre. Et si peut-être nous réagir différemment, je m'en excuse. Ouais. Et c'est ça la grandeur d'un homme lorsque vous sentiez peut-être qu'on capable d'errer. Et c'est cette capacité qu'en pile nous va gagner pour être ça parce que nous sommes orgueilleux. Je ne suis pas un orgueilleux, je suis quelqu'un de pragmatique. Mm-hmm. Aujourd'hui, le cas de Shelson Sanon, où je ne choisis pas jamais faire commentaire sur lui. Je ne choisis pas faire commentaire sur lui, j'avais choisi. En tant que président du Sénat, en tant que sénateur de la République, sans la volonté de collègues de l'Assemblée, me soumettre à la justice pour que la vérité sorte et la justice finit par rendre compte que Shelson Sanon était baïmati, assassiné son caractère pour ne pas connaître comment il dit. Et autres, etc. Elle pouvait la juger par devant le tribunal criminel. Et Shelson Sanon, après 8 ans, pauvre Valéria, peut-être, a été mal utilisé, ou bien utilisé innocemment, avec toute naïveté, pour la laisser détruire l'image l'autre. À quel fin, point d'interrogation? Mais Shelson Sanon est encore vivant. Qu'en est-il de police parlementaire, monsieur Lambert? Vous dites? Qu'en est-il de police parlementaire, yo? Ils sont là. Et la police parlementaire n'a pas gagné pour gérer la rue. Ils ont pu gérer et pour sécuriser en fait le Parlement. La rue n'a pas pour eux. La rue, c'est pour la police nationale. Sinon, c'est un lobby qui a gagné entre la police nationale, qui est dans la rue, la police parlementaire, tout partout, dans Pétionville, dans Delma, et autres, etc. J'ai fixé les règles au niveau du Sénat. La police parlementaire gagne pour là, pour lui d'abord porter sécurité et assistance à des collègues parlementaires qui le souhaitent dans l'enceinte et parlement, dans l'enceinte dans la résidence, et plus particulièrement sécuriser l'enceinte parlement. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils font leur job, que la police aussi fait le leur. Mm-hmm. Certains Lambert, après le kit fini, puisque nous avons planifié avoir pour tout le temps, ça n'est pas demandé au nom là. En pile fois, il y a des gens qui ont cherché sur ce côté Zamio sorti. Et laissant, il y aurait de groupes, par exemple, agents sécurité, qui on dit compagnie sécurité, qui ont même fait Zam rentrer peut-être de façon légale. Mais il y aurait tout de sénateurs, de députés, qui pendant toute législature, gagné de agents sécurité avec yo en pile fois des civils donc qui pas policiers qui gagne gros armes dans main yo. Je dis là que mon cap prend des côtés armes ça yo. Est-ce que ou même comme président du Sénat de la République ça t'est toujours attiré attention et nous t'es fait qui ça pour que nous t'ayons contrôle armes ça yo qui avec de sénateurs des députés par exemple pendant mandat yo et après personne pas connaît qui ça zam ça yo devenu côté yo. Est-ce que yo remettre la police yo, est-ce que yo remettre yo dans bureau sénat par exemple? Moi même pas parler de chambre député pour qui ça parce que c'est des entités distinctes. Non, quand on était député, c'est ça qui fait moi toute législature yo, bah, c'est son façon générale. Période ça, député pas de gain zam nan mais yo, c'est tellement pas de gain gros zam nan mais yo. Période ça, pas de gain niveau insécurité ça tout en 1990. Tout député te gain un revolver.
un revolver qui était légalisé. Bon, pour période côté moi-même des députés. Mm-hmm. Pour période côté sénateur, niveau insécurité à tape monté. Et nous avons des sénateurs qui gagnent des armes et des fois, tant pour dire, ou bien des civils, entre guillemets, qui accompagnent eux. C'est parce que c'est ça que fait ou direction police parlementaire a été créée pour essayer de légaliser ou bien normaliser question ça. Donc, on a fait de la police parlementaire en direction de la police parlementaire qui en dans la police nationale. Yo pa, monsieur Lambert, oui. Ou dit yo en dans la police nationale, tandis que yo pa, non seulement yo pa recevoir formation dans la police nationale, en plus de ça, la police pas même gen contrôle sur yo même. Justement, parce que la police parlementaire là, est relevée de compétences exclusives Sénat République là, et plus particulièrement, c'est le président du Sénat qui lui-même gagne la charge. Et bon, si je suis capable de permettre d'utiliser un mot qui n'est pas cadré totalement, mais c'est le commandant en chef, si je peux dire ça. Et deux, et la police nationale, direction police parlementaire, je te mettre après émission, non, ma boue baou, copie, moniteur qui t'est créé là. Et toi, je travaille de concert avec le directeur général de la police présentement pour nous essayer de garder qui gens pour nous normaliser question ça et faire de telle sorte que cette direction de la police parlementaire, eh bien, l'IPA capable de relever de la compétence totale et exclusive de la police nationale et ceci après période de formation appropriée que vous gagnez pour vous avoir subi et pour façon pour que en bas, désormais, même lorsque vous avez des directions de la police parlementaire, mais il est capable de gérer, administrer, bien contrôler, ou bien, pas qu'on aime l'armée à trop bien, bien la police à très bien. Mais c'est la supervision de la police nationale qui lui-même nomme un commissaire divisionnaire ou bien commissaire qui pour lui-même gérer les troupes qui gagnent sous compte en dans direction par la police parlementaire. Ça veut dire un commissaire divisionnaire et autres, etc. Voilà, c'est une façon peut-être, c'est une façon peut-être d'essayer de normaliser ou de régulariser cette situation. Président Sénat qui censé major Jean cap diriger police parlementaire là, mais qui enquête nous fait sur eux, qui est sur eux, y a pas jeune enquête formation de la police, y a pas sous contrôle la police, qui est sur eux, côté au sorti nous juste un groupe jeune garçon qui environ 600 et agents, et puis nous doté aux deux armes, et puis nous baillons un titre agent et police parlementaire. Ok, seconde entité pour des raisons stratégiques, m'a dit ça là pour nous sur radio. Madjoli peut-être en privé comme un responsable, un journaliste qui est supposé informer, sans que peut-être pour des raisons de sécurité, pour ne pas rendre en abdiolant public. Mais comme on pose des questions, Madjoli en privé. Et deuxièmement, qui ça nous fait? Premier bagage que nous fait victime sur toutes. Nous fait victime et pour tout le monde qui nommé ou bien quatre nommés comme policiers parlementaires, nous exigeons un casier judiciaire dans le DCPJ. Et c'est une première bagaille que nous exigeons. Tout en qu'on pas un casier judiciaire, ça, ou pas capable en dans l'institution. Et deuxièmement, pour ceux-là qui étaient déjà là, eh bien, nous faisons victime sur eux, et bien, pile là-dedans, eh bien, victime dans le réveil des négatifs, et qui, que nous te trouvons nous dans la pénible obligation, même pas pour nous recycler, mais pour nous te mettre out institution, pour nous flanquer de yo, parce que yon indigne pour que yon intègre un groupe comme ça, parce que victime révélé que yon pas apte et à intégrer encore tant que police parlementaire. Là. Mais nous mettons de armé ou bien sans armes, non? C'est ça, oui, madame. Alors, mettez-vous des dames. On va faire un gang. On va faire un gang qui manchette. Ou bien non, un gang vous qui police parlementaire. Vous voulez qu'on ait. Nous mettez-vous dehors. Comment est-ce que nous récupérons matériel et parlement qui est dans le meilleur? Vous voulez me dire un bagaille? Les âmes qui gagnent, c'est les âmes qui sur place et que personne, policier parlementaire, par exemple, doit sortir ensemble avec lui.
et c'est des âmes que eux viennent travailler. Dans leur travail, ils ont qu'à utiliser et leur sorti, ils ont fait rapport et remettre les by group qu'après et remplacer. Et par conséquent, nous pas gagné policier parlementaire que nous by âmes dans la rue. Et si gagne un monde qui policier parlementaire et qui gagne âmes dans la rue, m'a dit où d'office zam ça s'il est illégal, la police nationale m'est arrêté là avec lui. Peut-être ça parce que il est supposé même j'ai avec moi même Joseph Lambert comme président sénat, si me ton revolver sous moi, eh bien faut que revolver ça moi légaliser normalement, et c'est ce que je fais toujours. Et là encore moi gagne un revolver qui gagne l'état les joindre LB au nom de Joseph Lambert qui mande pour que yo fait balistique examen et autres etc. même j'ai avec tout citoyen et qui pour mon carte que maintenant bouche moi que me capable côté examen en même son façon pour distinguer les bons grains de l'ivraie, parce que faut qu'on aide la police tout dans le travail que la faire pendant qu'on boit plein toute la journée pour dire la police pas bonne sécurité, mais faut qu'on aide la police tout. Que gagner plusieurs agents parlementaires que la police a arrêté dans des mauvais actes. Oui. Bon, mais mon host, avec c'est la toile. Mais ça, c'est arrêté dans des mauvais actes. Ça nous pas ignoré tout, monsieur Lambert. Ça nous pas ignoré tout, sénateur Lambert. Il y a un pile policier qui révoqué avec matériel la police dans mes yeux. Oui, oui. Allô? Oui, oui, vous m'avez répondu, sénateur. Il y a deux, trois mouns que vous avez arrêté dans mauvais actes dans la police parlementaire. Première réaction, c'est que ça. Un, en attendant que vous justifiez que. Et vous prenez une mauvaise affaire à tout bon vrai, nous mettez-vous en disponibilité. Et deuxièmement, leur question en fin de consommer, eh bien, nous renvoyer. Mm-hmm. Écoutez, c'est aussi simple que ça. On fait l'administration, ce pays n'a pas fait. C'est un pays, on fait pays, c'est pas fait pays, nous pas fait pays. Moi-même, bon côté pas moi, on croit que je fais job moins convenablement. Bon, on peut que vous répondez à une question que vous avez tout à l'heure sur qui contrôle nous gagnons sur des agents qui étaient affectés avec le sénateur de la République avec gros âmes dans main. Est-ce que ça me sait, c'est le Sénat qui est baillé ou retourner venir joindre nous ou du moins comment ça y est? Comment ça y est d'habitude? Là, nous gagnons ça. Nous faisons comme ça, mon cher foi. Nous faisons commande d'âme en 2006. J'étais président du Sénat à l'époque. Et là, nous avons fait commande d'âme ça. Nous avons purement et simplement choisi pour que nous légalisions. Et puis, c'est la police nationale qui a donné l'autorisation pour acheter. Après ça, toutes les âmes lourdes et hautes, etc., côté qu'à retrouver. Non, mais. Un particulier qui est avec un sénateur, c'est à lui-même et à lui-même seul pour porter responsabilité. Hein. Pas à moi. Pas au Sénat, comme institution. Mm-hmm. Je crois qu'à ce niveau-là, je suis clair. Eh bien, merci un peu, sénateur Lambert. Merci un peu. Bye bye. D'accord. À la prochaine. Voilà, sénateur Joseph Lambert qui était en direct avec nous, nous font bon petit temps clé, hein, parce que nous avons parlé tout simplement de assassinat sénateur Busquets, mais nous avons été obligés de poser des trois petites questions, puisque nous avons dit ça jeudi là, un peu le bagaille nous vivons là, ou bien ça nous vivons là. C'est le résultat, pas oui, c'est le résultat. Politique là, justement. Pas de prendre responsabilité. Responsabilité, on met un paquet de jeunes, oui. Et puis après, après mandat, fini. Donc tout le monde retrouvé dans la rue avec zam nan men yo, regard dans la nature, on paquet zam qui pas légalisé. Et puis nous rivé là. Mm-hmm. Oui. Robert de Céline ensemble avec nous pour placer deux mots sur assassinat sénateur Busquets là. Bon, c'est bonjour. Bonjour tout seul. Bonjour Lizzie, la belle Lizzie, la plus belle de la Caraïbe. Donc matin, donc. Bonjour Bob, que... m'attends-nous, ma vie ouais ou. D'accord, cher. Et il faut que moi dis que je passe presque trois nuits sans sommeil de nouvelles lambeaux, le sénateur Busquets. Moi, je suis peut-être large liste qui est capable de
son petit parler des grands garçons ça ils vont bisquet moins pas qu'on habitué fréquenter sénateur bisquet pendant que l'étape exercé dans le parlement comme sénateur de la République on va commencer fréquenter c'est là que les prend décision côté que la demande monsieur on sauver pays on veut pays d'abord on suspend tirer sous corde là côté le vin directeur EPPLS. C'était un jour que moi passé dans bureau an. Et puis yo apprendre que dans bureau il quitter bureau pour venir dans la cour pour venir chercher moi. Et puis ce jour-là, j'étais vraiment étonné. Limité me chita dans place les côtés de chita en pleine réunion. Et puis il m'a dit mon yo pour retourner personnel en dans bureau tourner dans réunion. Donc la parler avec un grand en dans pays qui prend des engagements pour pays. J'étais vraiment ému ce jour-là. Et faut que moi dis non que matin si avec un triplex Lydie Guerrier que m'a parlé de l'amour sénateur Bisquet. Il m'a dit madame Lee que si moi pour courir les c'est pas oubli, c'est pas ingratitude, c'est ouais m'pas avec qui ça me va dire avec madame Bisquet. Et ça passé la boule là. Il m'a pas même de courage, de grand courage. Et fin parler avec nous là pour me reler madame Bisquet. Et famille Céline t'es capable la même souffrance là tout matin avec madame Bisquet et madame chauffeur li. Parce que mon frère mon grand frère il c'est chauffeur backup sénateur Yvan Bisquet. Il y a une raison qui fait que bon Dieu épargne famille hein. Les tristesses là matin hein, depuis week-end là probablement frère m'a t'a fêté anniversaire dans l'an demain. Et mon mec son carré de l'assassinat, je ne sais pas qui est capable de faire ça. Et puis il dit frère, je vais aller au caille, rester reposé, et c'est fait tout, je souhaite une bonne fête, je vais tourner dans le palais, ou pas besoin d'aller. Je vais aller avec un tel chauffeur qui est ensemble avec là, dans ce requin. Frère, je toujours son un pick-up blanc, tout à Hilux Cap Suive. Et sénateur Bisquet, elle parle dans le sud. Donc, nous avons comprendre comment moi-même me senti que je paniquais devant l'amour. Ça. Et moi-même, je m'a profité de l'amour sénateur Yvon Bisquet là, pour me dire avec toute société, il est arrivé jeudi pour me divorcer avec des larmes de crocodile à chaque fois que on mourit. Dans la condition de vivre dans le pays d'Haïti, jodia. Bien que nous vivons dans un monde où les funérailles comptent plus que l'homme mort, le mariage plus que l'amour et le physique plus que l'intellect, nous vivons dans la culture de l'emballage qui méprise le contenu. Ça n'a pas vivre jodia. Il doit taper nous dans toute profondeur nous comme monde. On dit le arrivé jeudi à on divorce avec tout le monde qui complice de près, de loin ou de très très loin dans ça n'a vivre dans société à jeudi à m'apprécie courage Henri Guerrier qui tweeté qui dit que lui excuser le bon côté nation hein, et lui pral changer fusil d'épaule pour suspendre faire promotion pour des criminels qui ont fait 100 personnes couler, de l'eau couler dans une famille, en pile d'hommes dans la société. Bravo Henri, il est majeur, mais trop tard pour bien faire. Et moi, matin, en guerrier, je songe grand même. C'est toujours une semaine avant l'envol, il était dit ça, et ça a été encore gravé dans la pensée matin. Il te dit, l'heure sonne enfin, je dois m'en aller. Mon plus grand regret, c'est d'avoir dit des paroles de grande valeur à des personnes qui n'ont pas de valeur. Paroles grand même, non, je dis ça, je dis. Et
m'a dit non que moi-même m'pa vle complice ni complaisant ni tolérant devant ça qui a passé aujourd'hui dans la société a. Et tout le monde qui a versé des larmes de crocodile et qui connaît une complicité quelconque dans ce qui a passé dans le pays aujourd'hui, dans Baïti Moun Zam, dans Boise Poison Baïti Moun, et puis pour défendre l'intérêt personnel, un seul bagage m'a dit non. Guillotin a été guillotiné par sa propre guillotine. C'est vrai, exécutif nous met là, c'est un exécutif qui n'écoute que lui-même. C'est un pouvoir en voie de décomposition. Mais nous autres, peuple haïtien, nous avons le choix entre le pire et le pire du pire. C'est nous-mêmes qui pour connaît et qui choix n'a fait. Est-ce que n'a continué honorer moun qui mettait dans la situation que nous là journée aujourd'hui pour régénérer tête ou bien est-ce que n'a prend conscience collective pour nous sortir dans schizophrénie collective nous aujourd'hui, pour réveiller nous dans le sommeil de mort que nous aujourd'hui, pour nous dire que nous suspendons les zombies, aujourd'hui, nous traçons leçon, ni sous monde qui a protégé les criminels, ni sous les criminels, pour nous dire que cadavres, ça a son cadavre en plus que la société a, n'est pas dû accepter. Guerrier, je vais aller, lui dit, je ne pas regrette, je vais aller. Et m'te dit PDGA, fais grâce. Mettez Lydie Alexandre dans mi temps des gros souffles ça yo. Parce que il est satisfaitateur depuis quelques jours ou pas gain des gros souffles ou pas dans mi temps des gros souffles guerrier. Ou après si on l'autre l'air. Lydie souffle ça m'a